très chers amis, les signes du Sagittaire, ascendant Sagittaire, et à tous ceux qui viendront potentiellement écouter peut-être le positionnement de leur lune dans ce signe-là ou leur maison. Voilà, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un pont entre les signes donc, du mois de juin et du mois d'août. Je n'ai pas fait dans la totalité les signes du mois de juillet. Voilà, merci de votre compréhension. J'avais besoin de refaire un point et de prendre un peu plus de recul et de temps. Donc voilà. Donc c'est reparti pour la cadence avec des vidéos un peu plus soutenues, mais moins longues dans la durée. Voilà, j'ai essayé un petit peu de les concentrer et de les structurer un peu plus. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis partie avec certaines cartes oracles et je n'ai pas pris l'oracle G. En fait, je pensais qu'il était déjà dans mon sac et je l'ai laissé. Donc, tirage improvisé avec les portes de l'intuition et l'oracle des anges gardiens. Voilà. C'était pas comme ça que je l'aurais fait, prévu, mais adaptation. Hein. Voilà. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, je vais tirer donc trois cartes avec les portes de l'intuition. Je vous invite à poser l'intention, à être au calme. Même si vous avez besoin de mettre pause sur cette vidéo, de respirer, prendre peut-être quelques minutes de respiration. Vous respirez par le ventre, gardez quelques secondes par exemple et vous relâchez. Vous pouvez faire ça par exemple trois fois. Ça permet de faire le calme, le vide, de revenir à l'ancrage de son corps. Et voilà, ensuite poser une intention ou une question ici et maintenant. Qu'est-ce que je souhaite ? Quel est le message dont j'ai besoin d'entendre ou de recevoir pour mon plus grand bien? Ou ça peut être une question précise aussi pour certains, je sais pas. Voyez ce qui vous correspond. En tout cas, c'est l'invitation. Voilà. Donc je vais tirer trois cartes et je vous invite à choisir entre la 1, la 2 ou la 3. La troisième a sauté carrément du paquet, quoi. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons la bonne nouvelle ici qui est sortie en premier. Hop, je vous la montre. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui passe. C'est toujours gênant quand il y a quelqu'un qui passe. J'aime bien quand c'est vraiment tout seul tranquille. La bonne nouvelle pour le numéro 1 qui nous dit, quelles que soient les attentes que vous aviez pu ou que vous pourriez avoir, ça peut être concernant de l'ordre d'une, peut-être même d'une hésitation en relation avec quelqu'un ou une hésitation concernant notre rapport à nous-mêmes et à celui des autres, il peut y avoir un manque de confiance parfois qui se manifeste. Ici, on a la bonne nouvelle qui vient nous dire quoi? En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ça me parle ici d'une invitation à vibrer, à être vigilant à ses pensées, à ses vibrations. Souvent, quand on souhaite quelque chose, on le pense mentalement. Donc ça commence par là, bien évidemment. L'invitation, c'est d'amener cette pensée créatrice aussi au cœur de votre corps.
C'est-à-dire que, si par exemple, vous souhaitez vivre dans un bel endroit, si vous avez pour projet de changer d'habitation ou que cela se passe bien dans votre relation à l'autre, quel que soit le domaine, que ce soit dans la famille, que ce soit avec votre compagne ou compagnon, ou si vous souhaitez accueillir une nouvelle rencontre dans votre vie. Ici, le message, c'est j'invite à être vraiment dans cette vibration, dans votre corps, dans votre ventre, comme si cette situation était déjà là. Parce que souvent, quand on est dans le mental, uniquement dans la pensée psychique, on peut alimenter une forme d'attente et donc de manque. Alors que quand ici vous êtes dans l'ouverture, en vibrant cette certitude dans votre ventre, comme cette sensation quand on est tellement hyper content, quoi, hyper joyeux, hyper happy, enjoué, voilà. C'est vraiment l'invitation ici à vibrer cette énergie qui va donc se répandre dans votre vie. Vous la rayonnez forcément. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est ça. Ça me parle aussi de... Je dis ce qui me vient de manière spontanée là. Si admettons, vous voulez être en couple avec une personne, l'invitation, c'est quoi ? C'est d'être cette personne avec laquelle vous souhaiteriez être. Et parfois, on ne sait pas tellement avec qui on souhaiterait être. Et c'est ça l'exercice intéressant, selon moi, là, maintenant, j'ai envie de vous partager. C'est, si vous, par exemple, souhaitez être avec une personne qui communique, qui est joyeuse, qui est bienveillante, douce, présente, empathique, respectueuse, voilà, entière, authentique aussi. Ça, c'est des mots qui me viennent spontanément, mais ça va vraiment être pour chacun d'entre vous. Voilà. Et ben, je vous invite à être tout ça, à incarner tout ça. Et plus vous allez incarner tout ça, et la simplicité, voilà, l'intégrité, l'authenticité, sans forcément se mettre la barre trop, mais voilà, toujours est-il que si vous voulez attirer à vous ce type de personne, je pense qu'on se donne les chances de les attirer à soi quand nous rayonnons ces énergies-là. Donc voilà, quand ça me parle de en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, ça m'inspire ça, d'incarner toutes ces belles énergies qui vous permettront d'accueillir dans votre vie l'amour auquel vous vous ouvrez, tout simplement, l'amour sans condition, selon les envies de chacun, évidemment. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Non, le livre s'est refermé, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne faut pas ? En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, recevez cette annonce sur vous, cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi d'attraction. Vous voyez, c'est exactement ce que je venais de vous énumérer. Interprétation, enseignement. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était votre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Parce que ça, c'est des pensées qui sont... c'est des vibrations qui vont vibrer le manque, en fait. Donc, libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux. Dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance, ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur.
créateur. Action. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Pour développer votre intuition, reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente en permanence, prête à être sollicitée. Voilà pour la carte numéro 1. Alors maintenant pour la carte numéro 2, ici nous avons la force de conviction. Magnifique. L'épée. L'épée de Damoclès. Ou l'épée du roi Arthur. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ici, ça vient vraiment inviter à la foi en ce qui... En vous, au fond de votre cœur, et juste pour vous, dans votre esprit, non pas avec votre ego, mais vraiment ce que votre cœur vibre. Et plus vous avez foi en la puissance de votre esprit qui vous murmure et vous souffle dans votre mental afin de créer avec votre ego la voix et la manifestation de votre esprit. Ainsi, vous prenez corps et place dans votre vie en incarnant tout votre être, la profondeur d'âme que vous êtes, et non plus seulement l'ego parasite, les peurs et les croyances limitantes. Ayez foi, les amis. Ici, c'est vraiment l'invitation à avoir foi en notre capacité de régénération, d'amour, à notre capacité de résilience. Parce que oui, ça demande du courage. Ça demande du courage de pousser, de grandir là où on peut se sentir un petit peu seul parfois. Ou, de toute façon, on a beau dire qu'on est tous reliés, on est quand même tous tout seuls. Qu'on le veuille ou non, on est tous tout seuls avec là-haut, avec notre esprit, avec notre... Donc, ici, c'est vraiment l'invitation à ancrer votre force de conviction et votre foi en ce que vous souhaitez manifester, en ce que vous souhaitez réaliser, à oser franchir des seuils, des peurs, des barrières, des barricades que le mental a construit pour vous protéger. Il est temps juste de le remercier et de le libérer afin d'accueillir autre chose et avec foi et conviction d'incarner la puissance de votre être, de votre âme, de votre esprit. L'épée me fait penser aussi à l'air, à l'esprit. Vous voyez, avec cette lumière et cette clarté, ça m'évoque vraiment la clarté de l'esprit. Ayez foi, vous en avez la force et la capacité de passer au-delà. Même si parfois on se dit, mon Dieu, mais je ne vais jamais y arriver. En fait, tout est possible. Absolument tout est possible et réalisable. Quand on s'en donne les moyens et quand on oriente ses pensées et son énergie et son cœur au divin qui se charge aussi de tout ça et de vous initier pas à pas dans cet apprentissage, dans cette expérience. Et voilà, et de vous découvrir. Découvrir, c'est pour moi enlever une couche de quelque chose qui a été là pendant un temps, mais qui ne vous appartient plus. C'est plus que ça pour moi, c'est découvrir. Et en enlevant un petit peu comme des couches d'oignon, vous rapprochez de votre essence, même de votre essence divine. En enlevant toutes ces couches de protection, de croyance, voilà.
mes amis. Je vais lire son message. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Voyez, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « en fait, ce n'était pas pour moi ». Vous ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne croyez. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites. Reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Action, il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance, de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Parfois de s'entourer évidemment des personnes qui vont vous booster, vous encourager, vous élever vers le haut, à aller dans le sens de vos objectifs. Ça va être moteur et une aide, un soutien pour avancer. Parce que seul, parfois, c'est faisable, mais c'est encore plus compliqué. Donc c'est l'invitation aussi, si vous en ressentez le besoin. Voilà, bah, faites-vous coacher, accompagner. Voilà. Faites peut-être même des activités, si c'est en lien avec des activités, quelque chose que vous n'osez pas faire. De le faire en groupe, bah, ça aide. C'est porteur, hein, l'énergie d'un groupe. Voilà. Pour développer votre intuition, écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré du dénouement des choses. Voilà. Pour moi, cette carte, c'est un bon présage. C'est une énergie qui est là, qui est présente, ne tient qu'à vous. Bah, d'en saisir cette responsabilité. Longue vie au roi Arthur. Ça me fait penser à ça. Voilà. Pour la numéro 2. Pour la numéro 3, le ressenti. Il me dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc encore une fois, ça... Là, je viens de parler de la numéro 2 avec la force de conviction. Ça me parle d'incarner dans son corps pleinement ce que l'on souhaite vivre. Si on a envie d'être heureux, c'est vrai que ça semble difficile ou paradoxal de dire bah, si on est heureux, soyez heureux. Bah, accordez-vous des moments où vous vous sentez bien, simplement heureux. Faites des choses qui vous plaisent. Autorisez-vous des moments où vous vous sentez bien. Faites confiance à vos réels besoins, à vos ressentis. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas toujours évident. Je sais que ben voilà, quand on a par exemple une vie de famille, une vie active bien remplie, voilà, un mari, des enfants, etc. Ou même en étant célibataire, on peut avoir une vie active très remplie aussi. Hein, mais enfin, voilà, voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous. Mais ici, ça me parle de dans le ressenti, l'invitation à écouter votre ressenti. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, écoutez-vous. Et si vous sentez que vous avez à mettre en action, à être plus dans la manifestation, alors écoutez ce que votre ressenti vous signale. S'il s'agit pour certains d'une sensation amoureuse, d'un feeling, de quelque chose, d'une ouverture dans votre corps, dans voilà, un bon pressentiment dans votre corps, dans un feeling, quelque chose qui matche bien avec,
avec une personne, potentiellement une rencontre que vous auriez pu faire récemment et qui est en train de se construire, mais que vous n'êtes pas totalement sûr, alors l'invitation c'est d'être dans le ressenti et de vous rappeler la sensation que vous avez vécue quand vous avez peut-être rencontré cette personne et de l'enraciner davantage en vous. C'est-à-dire que des fois, il y a des événements où on va rencontrer une personne magnifique. Et en fait, quand cette personne arrive dans notre vie, pourtant c'est quelque chose qu'on a demandé pendant un moment. Quoi. Des fois, on s'est dit, oh là, j'aimerais. Et puis finalement, quand la personne est là, on cherche un tas de contours, de contournements pour finalement comme éviter ce bonheur qui est présent. Donc je pense que c'est aussi des mécanismes inconscients qui sont en lien avec des peurs de se dire, mon Dieu, mais je ne suis pas à la hauteur, d'accepter de vivre une telle relation, qu'est-ce que c'est que ce... C'est pas possible, ça ne peut pas se passer si bien, il y a quelque chose, voilà, tout ça c'est des pensées, des croyances, des peurs en lien avec les mémoires. Tout ça, c'est piégeux. Et l'invitation, c'est vraiment de revenir à votre ressenti de départ, à votre corps, et non pas avec ce qui s'agite là-dedans, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu ce qui déboussole. Plus vous allez enraciner en vous et manifester dans votre vie ce que vous souhaitez, et plus vous allez donner de la chance à tout ce qui se manifeste, parce que vous y donnez de l'énergie. C'est comme, vous voyez, cette fleur, pour qu'elle grandisse, elle a été nourrie de quoi? Elle a été nourrie de soleil et d'eau, des éléments. Pour moi, ça me parle d'amour, en fait, de tout ce qui a été présent à chaque instant. C'est ce qui lui a permis de grandir et de s'enraciner, cette fleur. Même le vent qui aurait pu la bousculer, qui aurait pu la fragiliser ou la casser, ça l'a renforcée, cette fleur. Ça l'a enracinée davantage. Donc ça aussi, c'est... Toutes les saisons sont belles et ont une richesse et un amour à apporter qui nourrit cette fleur et qui incarne cette fleur telle qu'elle est grâce à tous ces événements. Voilà le message. Vous voyez comment est-ce que ça vous parle? C'est en lien avec des aléas dans ce que vous vivez professionnellement, relationnellement, familialement, je sais pas si je dis familialement, des fois j'invente un peu des mots. Bon voilà. Voilà pour la carte numéro 3. Voilà les amis, écoutez, allez, un petit dernier avec l'oracle des anges gardiens pour le signe Sagittaire, s'il vous plaît. Sage complémentaire. Ah non, j'ai cru qu'elle s'était retournée dans le paquet, mais non. Un message complémentaire, por favor. Hop là, détente. Invitation au ressenti, c'est marrant. Pour la numéro 3, ça me fait penser à ça. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Voilà. Voilà les anges. Et sous le paquet, on a lâché prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu
tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Merci les anges. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des clés positives dans ce que vous vivez, l'accompagnement, ou voilà, des éclairages, et que ça puisse vous, voilà, vous apporter quelque chose de bénéfique. C'est le but, en tout cas c'est ma démarche. Après, chacun, voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'août, prenez bien soin de vous, et voilà, je vous dis à tout bientôt. Je vous invite à mettre un like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous le souhaitez pour suivre les prochains tirages des pleines lunes et des nouvelles lunes que je propose, ainsi que les tirages mensuels. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement coaching intuitif personnalisé, vous pouvez me contacter dans la description via mon adresse mail de communiquer. Voilà, je vous remercie, prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.